Donnez-moi, j'avais un problème de light. Ok. Oh! Transition fait de la merde des fois, je sais pas pourquoi. Bonsoir, ici Stéphane Bern. Ha. Les bonnes refs. Ah, t'as fait la cactus, Thomas, ça s'est bien passé? Le micro détecte super fort aujourd'hui, je trouve. Ah! Coucou Moon! Moon. Ça va, c'est le week-end, je viens de me taper une de ces siestes. C'est incroyable. Incroyable. La Thaïlande, non. La Thaïlande, ça s'est pas bien passé. On essaiera de faire un peu de Thaïlande aujourd'hui. Déjà parce que je l'ai pas du tout faite sur GeoGuessr. Donc on pourrait avoir une médaille en plus, ce serait bien déjà. Évidemment, point d'exclamation Moon, n'hésitez pas. Lol. Et le reste, c'était bien? Bah, let's go. Faut que je trouve le temps de le faire. J'ai fait 10K sur la move. Oh no. Oh, dur. Dur, dur, dur. C'est pas facile à poncer la Thaïlande, hein, dans mon souvenir. Hein. Vraiment avoir l'œil hein, pour choper la route si t'as l'info de route hein, déjà. Je sais pas quand est-ce que je la ferai bientôt. Donc ouais, contente, c'est le week-end. Hein. Le week-end c'est trop cool, j'adore ça. Vraiment, je vous conseille le week-end. Si vous avez pas essayé encore. Je vous le conseille. Alors attendez, est-ce que la scène elle est pas prête du tout? J'enlève ça. J'enlève ça. Ça. Et pourquoi il détecte pas GeoGuessr? Parce qu'il doit pas s'attendre à ça. Voilà. Hop. Et pouf. Je suis en week-end depuis 4 mois, j'apprécie. Ah oui. La chance, je suppose. Aïe aïe aïe. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'aimerais bien aujourd'hui qu'on fasse de la diversité de la francophonie, parce que c'est la thématique hein, finalement de la semaine prochaine. La semaine prochaine? Salut Niena, comment ça va? Coucou. On va faire de l'Europe aussi, grâce aux no moves de Thomas, n'est-ce pas? Les no moves très qualitatifs de Thomas. Bientôt, level 65 sur GeoGuessr, incroyable. Parce que du coup, le pays aussi de la cactus. Le pays, hein? L'Europe est un pays? Non. Le continent de la semaine sur la Cactus League étant l'Europe. Encore une bonne raison de jouer l'Europe, quoi, genre trop bien. Coucou, Miko, comment ça va? Oui, ça va, Nina, c'est le week-end. Le week-end, c'est trop bien. T'as passé une bonne semaine? Eh bien, merci. Miko, ça va très bien. Contente de t'avoir parmi nous ce soir. Donc voilà, on fera un peu de diversité. Un, deux. On fera un peu de la diversité de la francophonie, en espérant ne pas tomber exclusivement sur la France. Pour voir des points un petit peu ailleurs, ça pourrait être cool. On pourrait peut-être essayer de trouver des maps, je sais pas moi. On avait vu qu'il y avait Liban sur certaines maps. Enfin, on essaiera de trouver s'il y a des trucs intéressants que vous pouvez proposer aussi, hein. Pas de problème. Si vous avez des maps sympas dans cette thématique-là. On va faire un peu les No Move Europe de Thomas. Je voulais faire la Thaïlande aussi. Regardez, j'ai même pas try. Je sais même pas. Je n'ai même pas mon niveau. Donc on va essayer de try la Thaïlande quand même. À un moment. Et quoi d'autre? Je sais plus. Qu'est-ce que j'avais dit sur Discord? Je sais plus. Bref, on va faire du GeoGuessr quoi. J'avais dit quoi? Ouais, bah c'est ça, c'est globalement ça. Diversité de la francophonie, Thaïlande et Europe, voilà. J'ai fait pas mal de médailles aujourd'hui. Ah, médaille d'or?
Ah, c'était les concours déjà cette semaine, Nina. Et je commence à m'agacer de la colocation. Ah, t'as une deadline un peu pour cette histoire? Ça va se résoudre prochainement. Laos, Slovénie, Estonie, sympa. Sympa. Estonie, c'est pas spécialement compliqué comme pays, mais c'est typique à l'endroit où bon bah ça dépend des sites quoi. Des fois t'as zéro info. Tu les joues en quoi? En 3 minutes ou en no move? En no move, en no time. Laos flemme, hein, jamais fait, mais un jour ça y arrivera. Mais c'est cool la Cactus League et puis la ligue, ça donne l'occasion d'essayer de faire les explorateurs. Des pays. Hein, je vous avais dit, hein, avant la reprise de la saison, j'étais censée finir de golder l'Europe. Voilà. Bon, on a au moins de l'argent. C'est cool. Coucou vélo! Site de 5 minutes. Ah, ok. Pour l'Estonie, c'est confortable. C'est cool. T'as le temps de trouver au moins un peu d'informations. C'est cool. Je vais payer en 5 minutes. Ok. Ça fait plus d'un mois que la deadline est passée. Ah. Ok. Pas cool, du coup. Rage. Et ça s'est bien passé, du coup, les écrits, so far? Je sais plus si je t'avais dit bonjour vélo. Bonjour vélo. Ça me laisse le temps de chercher sans trop traîner non plus. Je comprends. Je comprends, puis il faut aussi savoir s'amuser. Alors que de l'Inde en no move, non. Ouais, c'est chaud même en 5 minutes. Non mais moi je te comprends, je suis pas une joueuse, je suis pas une joueuse move. Je cherche mal les infos et après je panique quand j'ai pas assez d'infos. C'est terrible. Et les pays, je sais pas comment je pourrais avoir la médaille d'or. Par exemple, quoi, c'est bien l'Inde dans nos moves. Aïe aïe aïe, les petits kinks comme ça. Ah bah, visiblement, d'après Thomas, c'est même faisable en no move, l'un d'Armico. Donc tu vois avec lui. Le bouton, le problème, c'est que t'as des choses qui sont pas très bien mappées, donc... Disons que pour faire le 25K, c'est relou. Maintenant, si tu fais quelques seeds, en vrai, ça passe, le bouton. Parce que, bon, quand même, souvent des grosses routes qui sont mappées, t'as des infos régulièrement sur... Genre quand tu vas dans des petits bleds, ils ont plein d'énormes panneaux rectangulaires et il y a toujours la ville marquée dessus, tu vois. Après, bon, bah, si tu la vois pas, tu la vois pas, hein. C'est comme tout. Hein. Mais bon. Mon PB en no move, Inde, c'est quasi 20K. Et tu vois, c'est quasiment possible de golder l'Inde en no move. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. Sauf si tu connais tous les monuments d'Inde. Ah bah oui. Oui, il faut des refs, hein, au bout d'un moment. Le Bhoutan, c'est très accessible, faut pas partir défaitiste. Oui, voilà, si jamais bon, bah, tu fais la première seed et tu dis à la fin, bon bah non stop, ouais, clairement, pas cool. Je suis en train de parler et on fait rien là. Vous voulez jouer? Vous voulez faire quoi? On commence par de la francophonie? On fait ça? La diversité. La francophonie. La diversité bretonne. Mais au secours! La diversité française pour les cheaters, pardon, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je l'ai joué. Qu'est-ce que c'est? Je sais plus. pas compris. Pas compris. La diversité suisse, évidemment. La diversité française de Paris, quelle horreur. Bon, attendez, on se calme. Hein. Oui, regardez, 25 000. Bon, par contre, avec un PB à 11... 11 minutes, pas incroyable quoi. Allez, je vous invite si vous voulez jouer avec. Ah, c'est pour jouer en coop sans toucher les records, les guides. Ah, c'était ça, je comprenais pas la description. Merde. Merci, j'avais pas compris. Ouais, on va commencer par la petite diversité de la francophonie, tranquillou. On se met pas la pression, c'est la game de chauffe. On en fera encore, je sais pas, une, voire deux. Une petite no move Europe. La no move, je suis en train de manger en même temps. Mais comme d'habitude, Thomas, no move toutes les maps que je propose. C'est bien, ça te fait un entraînement. Je suis sûr que ça te profite plus que moi, le fait de les jouer en move.
Et puis à un moment, quand je serai chaud, vas-y, on partira sur de la Thaïlande, mais pas longtemps, hein, juste histoire d'avoir une médaille, quoi, au moins bronze, en espérant que ça prenne pas 5 ans, parce que du coup, je peux pas vous partager les liens. Et le but, c'est que vous puissiez jouer avec si vous avez envie. Wally Walou! Ça pourrait être aussi l'occasion d'essayer de golder les pays qui font partie de la francophonie, hein. Mais bon, le problème, c'est que bah, Canada, chiant quoi. Qu'est-ce qui me reste là-dedans? Sinon, j'ai tout fait. J'ai gold la Suisse récemment. Puis là-dedans, c'est bon, je crois. Après, sur GeoGuessr, enfin sur les maps officielles GeoGuessr, je pense qu'il n'y a rien de plus, non? Aller voir des maps spécifiques. Je sais pas moi, est-ce qu'il y a genre. Alors déjà, c'est quoi la liste des pays où le français est parlé? Pays francophones. Oh ouais, putain, on peut avoir des trucs chiadés, c'est vrai. C'est quoi ça? Espace linguistique francophone, ouais, d'accord. Non, c'est pas ça que je veux. La liste de la francophonie. Le français. Au Maghreb. Donc voilà. Algérie, Maroc. Vous voyez pas là. Algérie, Maroc, Tunisie. Mauritanie. Oh, des points en Mauritanie. Incroyable. Le Liban, évidemment. On a eu des points hier en entraînement avec 4 quarts. Hein. Maurice. Tout à fait. Andorre, oui. Très, très juste. C'est vrai. Il n'y a pas genre. Et voilà. La Nouvelle-Calédonie, par exemple. La Polynésie française. Wallis et Futuna. Je sais pas si ça vaudrait le coup qu'on. On fasse des petites maps comme ça si on en trouve peut-être. Je ne sais pas à quel point les mappeurs auront envie de nous mettre sur des trucs un peu chiadés comme ça. Le R5 et 5 câbles no move. Voilà, comme ça j'ai la pression. Il n'y a aucun problème. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, je suis sur la 7e avenue et la 63e rue. Je sais pas, par là, par au nord. Ouais, ok. Allez, bon petit quartier résidentiel là. Ça me fait peur. C'est-à-dire qu'il va falloir poncer de la ville déjà. Et avant tout, faut trouver dans quelle ville on est. Ça a l'air pas mal, bon ça me fait un peu tomber sur mes retrousser chemin, mais ah, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? J'arrive pas à lire. La Grande Glisse Québec. Ouais, mais ça peut. Oui, d'accord. La Grande Glisse. Vous entendez ça? J'ai misclic au dernier point alors que j'avais le 5K. No! Non mais c'est la game de chauve, t'inquiète. C'est normal. Bon, je pensais que c'était un panneau de route. Ah, la 40. Ouais, d'accord. Ouah! Ouais, d'accord. Je sais pas moi. Quoi le moins pire? Par là? J'en sais rien. Il reste 1 minute 30, parfait. Au secours. En train de me paumer dans les petits trucs là. Ouais, hein. Oui, oh, le cul-de-sac, bravo! Oui, bravo. Incroyable. Avance, je t'en supplie. Merci. Par là. Merci. Quoi? Ok. Il reste 42 secondes, je suis même pas sûre de la ville. Je vais mettre à Québec par défaut, je pense, ou pas très loin. Pas toi? Ouais, boulevard Henri Bourassa. Très bien. Oh là là, il y avait des trucs là-bas. Oh! Terrible. 25 secondes.
Bon bah tant pis, hein. Tant pis, la 40, ouais. Quoi, 8e avenue, je crois, ou 7e avenue. 3e avenue. Bon, écoutez. Ok. C'était Québec. Est-ce que je pouvais être sûre que c'était Québec, en fait? C'est ça mon problème. Parce que bon, il y avait marqué Québec, mais c'était Québec City, forcément? Parce que bon, la 40, elle va un peu partout quand même, hein. Bon, ça va. 1,7 km, c'est pas mal. Quel enfer, fallait aller où? Fallait aller full ouest et ensuite potentiellement full sud. Hein. Peu la galère ce point. Suivant. Ah. On a eu un point Canada, trop bien. On n'aura pas eu que des points en France et ça c'est cool. Eh bien, ouais. Aurais-je dû aller de l'autre côté, peut-être? Et était bien ce point Thomas en no move? Parce que en move on s'éclate hein, actuellement. Vraiment genre la grosse marade quoi, je sais même pas où me foutre. Mais au secours! Je l'ai trouvé sympa en no move. Au secours! Oh bordel! Clément Aubigny sur. Oh putain! Attends, Tigi, ça me dit un truc. Pourquoi ça me dit un truc, Tigi? Je sais pas. Je suis pas au chier. Clément Aubigny sur. Sur N. Clément Tigi Aubigny Cerdon. Dis quoi, toi? Chaon. Est-ce que c'était machin sur Bienvenue en Sologne. C'est en gros 10 km entre chaque village avec que de la forêt et des étangs. Ah, cool. Et le machin sur N là, c'était quoi? C'est quoi le N? C'est pour. Est-ce que c'est pour Nièvre? Est-ce que la Nièvre est. C'est le nom d'un département, mais est-ce que c'est aussi le nom d'une rivière par hasard? C'est où, bordel? Je vois pas où c'est. Ah, mais on est à côté de Romorantin-Lanthenay. Aubigny sur Ner. Ah merde. C'est où? C'est à 20 bornes, je crois.
La Nièvre est une rivière, mais elle est pas là. Elle passe même pas à 9h. Qu'un effort. Ouais, mais Nièvre, la rivière. Hein. Je sais pas si je rajoute rivière, il sait faire ou pas. Ah si, ça casse les couilles. Non. Mais OMG! C'est sur ta trajectoire. Putain, oui! Merci. Obini sur nerf, d'accord. Ah oui, la nerf. Oui, mais tout est logique. Hein. Tout est logique. Et la rivière... Affluent de la Loire. Hein. Affluent de la Somme aussi. Ah si, ça passe à Nevers. Excusez-moi, hein, c'est ça, là? Ah oui, c'est ça! Ok. Bini sur nerf, donc. Ok. Très bien. Bon, dommage. Maintenant, je saurais que quand je trouve vraiment zéro info, c'est que je dois être pas très loin de... Ah, sud Montréal. Ok, la 13. Saint-Eustache. Oui. Attends, c'est où Saint-Eustache déjà? Saint-Eustache, c'est là, d'accord. Ok, je suis sur de la... Ah non, la 13 doit être en dessous. Ah ok, je dois être sur un truc qui est sur la 13. D'accord. Mm-hmm, d'accord. Et c'est un petit nom là où je suis ou pas? Dagenais-Haut. Je suis au niveau de là, je dirais. Il n'y a pas de piège, a priori, je dirais. 11 mètres, incroyable. Bah alors, Nils. Ah oui, tu l'as fait en no move. Tout est logique. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de quand même lire un peu les enseignes à côté? Genre là, il y a un machin Bruno quelque chose, Brunet. Pas évident. En vrai, la Sologne, c'est bien. Il y a plein de faunes et de fleurs différentes et une architecture assez particulière. Ok. Une diversité de la Sologne, là? S'il y avait moyen, j'avais juste la flemme sur tel. Ok. Ça me va. Au bordel. Attends, j'ai cru que c'était ça le R5. Je me suis dit, bordel, quoi? À quel moment? À quel putain de moment? Deuxième point Québec. Trop bien. Donc là, si je trouve rien, je me remets en Sologne, c'est ça? J'essaye de... suivre la logique, hein, n'est-ce pas? Il se 5K en no move aussi avec du courage et du no time, je pense. Oui, bien sûr. J'allais t'en parler, ouais. Tout à fait. Il y a quoi là? On va aller lire ce truc là, bah non. Non. C'est non. J'espérais un petit nom de région, peut-être, sur la poubelle, là. Alors que soudain, un tracteur. Summer loving, I would crave your name.
bois des mottes. Avance. Merci. Du coup, je suis pas partie du bon côté encore. Là, j'ai pas trop envie de rebrousser chemin. Canal de Chara. Pas la ref. Ardillère. Ouais. Le clair, ouais, ok. 40 secondes. Ciré d'Onis, mais qu'est-ce que c'est que c'est que quoi? 06, envie de crever. J'ai pas me foutre, moi. 23 secondes. Aigrefeuille, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ciré d'Onis, mais quoi? Oh, vas-y, je connais pas, je peux me foutre, mais tant pis, je vais mettre par là. Je sais pas, j'ai pas la ref. Ok, très bien. Vraiment, non. Aucune... Mais regardez ça, mais... Oh putain, je sais que je suis une grande joueuse de move, mais quand même, quoi. Quel enfer. C'est le pire truc qui peut m'arriver, ça. Il y avait écrit cyclade sur la poubelle, t'aurais pu tenter la graisse. Yes. Ouais, en vrai, ouais. Genre par là, tu vois. Ce rang, je n'ai absolument rien eu, je suis partie dans la mauvaise direction. Bon, bah oui, j'ai eu des infos, c'est vrai, mais vraiment, Ciré d'Onis et Ardillère. Si, Ciré d'Onis, ça se voit d'un peu loin. Genre, si tu sais vraiment que t'es genre dans la vers pas très loin de La Rochelle, ça va. Je n'avais aucune foutre idée. GG en tout cas, hein. Nils qui a reconnu visiblement les marais du poids de vin. Ah, mais ouais, c'est vrai que c'était un petit peu avec des petits canaux et tout. Putain, je sais même pas si j'aurais réussi à me placer là-dedans, quel enfer. Salut Gaston, comment ça va? Qu'est-ce que je fous en France? Bah super. Super, ça, hein, super. Je prends pas mal, c'est pas grave. Eh ben écoute, il se trouve que dimanche prochain, la thématique c'est diversité de la francophonie, et j'ai lancé une site francophonie, et bah il y a des points en France quoi. Ah, j'aime pas trop la France, non. Surtout en move solo, je suis pas très douée quoi. Mais bon. Ouais, ça va, merci. Passez une bonne semaine du coup. Tu seras là dimanche? Petit tournoi et ensuite Rocket League, ou bien? Ah mais oui, Grand Rieux, mais tout à fait. Attendez, panique ou pas. J'ai perdu Grand Rieux, je vais le retrouver. Grand Rieux, putain, c'est marqué là. J'ai déjà eu ce point. D59 et la D34. Ben voilà. Allez, pouf. Incroyable. Oh, jure. Merci beaucoup. Oh oui. Merci beaucoup, le brigand, pour le sub. Incroyable. Coucou. Comment ça va? Le R5 était très cool, ouais. Bonsoir, bonsoir. Oui, ça va, merci beaucoup. Ça va bien. On fait de la diversité de la francophonie ce soir. Et ça se passe bien, globalement, sauf en France. GG tout le monde. GG tout le monde. On a fait tous plus de 20k. C'est très bien, bravo, hein, vraiment. Moi, je pense qu'on peut, s'applaudir. Le
Le R5 aurait été mis après mes vacances d'été car je vais là-bas. Ok. Tu auras la ref. Trop bien. Où se passe oui et Gaston. Ok, cool. Semaine pour Avotaf. Ah non. Ah, tu nous raconteras ça. Bah, soit maintenant, soit autour d'un ballon. Hein. C'est très bien aussi. Hein, d'avoir des petits sujets de conversation. Hein. Ça pourra nous permettre de justifier qu'on joue pas bien, tu vois. Enfin, que je joue pas bien, surtout. J'ai charbonné comme un chinois. Ah ouais. Lundi, ça va être encore pire. Ah non, non. Hein. Bah, faut profiter du week-end, alors. Pardon, je parle, mais vas-y, on en refait une, du coup. Excusez-moi. On en refait une. Et du coup, bon, c'était pas le 25K, mais c'était bien. On en refait une, hein. Évidemment, n'hésitez pas à cliquer si vous voulez jouer. Cette semaine, j'ai bossé 43 heures au moins, et je crois que j'en oublie, et je bosse pas ce week-end, heureusement. Ah bah oui, heureusement, oui. J'ai envie de me tirer une balle dans le yep, mais non. Une map Mystère France. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Ouais, vas-y, tu sais quoi. Thomas, tu nous prépares une seed no move de Europe, là, dont tu as le secret. On fera ça, je pense, après cette map-là. Et après, si tu veux, Miko, bah, tu peux m'envoyer déjà le lien de ton challenge. Et on fera un petit peu de map Mystère France. Et après, on fera de la Thaïlande aussi. Il faut que je fasse la médaille de la Thaïlande. Même si c'est une médaille pourrie. Pour voir. C'est pour la Cactus League. Je propose mes services de coaching pour la Suisse, si ça intéresse les 4 quarts. Oh, très gentil ça, monsieur le brigand. Merci beaucoup. On pourrait faire une petite diversité. J'ai vu qu'il y avait une map diversité de la Suisse. Parce que des fois, je bosse 43 heures dans la semaine et je bosse aussi le samedi. Oh, c'est terrible. Hein. C'est pas gentil ça. Ça fait au mieux. Moi, j'ai passé les deux derniers jours au taf à travailler sans café, pour ceux qui étaient sur le Discord. Voilà, c'est terrible. On a une machine à café, mais il n'y avait pas de café dedans. C'est pas... Si c'est pas sad, ça. R1 5K no move. Let's go. Bon chance à tous. Je vous laisse partir un peu devant pendant que je fais des câlins au chat. J'ai perdu mon world record sur la diversité suisse. Je me dois de réagir. Allez. Et on va faire une petite site diversité suisse à un moment et tu reprendras ton record à cette occasion, évidemment. J'ai fait un clic pour mieux voir mes 5 câbles en no move. Allez, let's go. Dès que la souris R4 cassé. Bah dommage. R4 cassé, mais t'es suisse. Parce que j'ai l'impression que la street view de la Suisse, c'est un peu compliqué en ce moment. Genre, il y a pas mal de trucs qui déconnent. Moi, comme ça, je mettrais suisse, en tout cas. Essayez de tous mettre en Suisse, comme ça, au pire, on a plus ou moins le même score à la fin, vous voyez. J'aurais mis Bangladesh. Ah ouais, la diversité de la francophonie au Bangladesh. Allez, dans quelques instants, ma souris sera disponible à l'usage. Ma pupette qui fait des gros câlins. Bon. Et Dune. Bon, allez. Évidemment, c'est parti. Ah oui, d'accord. Corbeil. Oh ouais, non mais... Ah non, mais moi, je connais pas ça. Château Landon, salle polyvalente Corbeil-Angers. Condreville, Treille-Angers. Nargis-Fontenay-sur-Elle. Montargis, c'est connu ça. Vas-y, je fais un clic pour voir. Corbeil-Angers, Gondreville. Ouais, c'est la même chose. Attends, Montargis. Vous allez me détester, hein. C'est pas où c'est Montargis. J'ai l'impression que c'est pas là. Attendez, mais il est marqué machin en L sur L. Château Landon, c'était quoi?
connais sur Word. J'ai pas osé Montargis et je vais être ravie de l'apprendre. L'autre joke, je sais pas où c'est. Et bon, bah, avançons du coup, hein. Tant pis. Pas de 5K no move pour moi. Je sais pas où c'est Montargis, du coup, bah, les gars. J'avais posé la question. Voyons, G, courte en pierre. Et sur L. Mais sur Loire, Montargis, ça fait pas genre région parisienne? I am perdu. Nous étions à Créfontaine. Mais qu'est-ce que c'est les trucs? Waouh. L'aime. Au secours. Au secours. Ah non, le chat, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je connais plus mes départements, je connais rien. Vraiment, la France, jamais la France, en fait. C'est terrible. Ça doit super bien, j'ai envie de décéder. Ah mais je le mettais tellement plus par là que je regardais pas là-bas. Bon, tant pis. Fallait pas. Chat, ouais. J'ai vraiment ma main gauche qui est monopolisée là, sachez-le. J'ai même pas vu le panneau Montargis, j'ai 5K avec Château Landon. Bon bah ça va maintenant. Ça va de flex là. C'est pas... Château Landon, en plus, ça se voit, effectivement. Mais Montargis, putain, mais Montargis... Je le mettais pas du tout là, hein. Orléans, Montargis, sens 3. Ah ouais. Coup dur. Donc, apparemment, celui-là aussi est faisable. Encore faut-il avoir l'info. Poste de la guerre nationale. Cité. El Edina Al-Gab Abba. Ah, genre des quartiers de Tunis, ça. Agba. Ouais. J'aurais bien plus d'infos SVP. Je traverse de la flotte, ouais, d'accord. Ah, par là. Avance, je t'en supplie. D'accord, donc Vera, Mezaz El Bab, c'est où déjà? Mezaz El Bab, à mon ouest, El Mornagia, ouais, d'accord. Résidence Ben Mahmoud. Résidence Ben Mahmoud. Au sud.
Beau séjour. Au secours! Ah, oh, fais chier. Ah, oh, Gaston! 5K-4 et moi 5K-5! Ah merde, je pensais que c'était celui-là le rond-point. Ah, je suis allée jusque là! Ok. Ok, ok. Tant pis. Et si c'est du ping-pif, bah écoute, GG à toi. La RCVDL. GG pour le 5KOR3, Gaston. Comment ça tu bug, Miko? Qu'est pas ça? R4 cassé, le jeu m'a mis 0 automatiquement. Ah, ok, très bien. Région Centre-Val de Loire. Ah oui, tout à fait. Oh. Oui, oui, oui. Oui, le R4, c'est normal, hein, il est cassé pour tout le monde. Pas skip. T'inquiète pas. Le New Brunswick, évidemment. La 3. La 3, est-ce que c'est ça? Ah, j'ai jamais pensé des... Ah, 636. Bah ouais, ça a l'air pas mal, en fait. D'accord. Donc la 3 est dans la direction de par là. Ouais, d'accord. Je viens d'où? Je viens de là? Attends, c'est quoi le nom de la rue là? Juste pour. Alors ça là? Market. Ouais, ok, c'est bien. Et donc, j'ai fait quoi? Je suis partie par là? Sud? Même ouest en fait, sud-ouest. Et j'arrive au croisement. Mais quoi, c'est un cul-de-sac là? La rue elle tourne, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, genre ça tourne comme ça quoi. Il y a une petite maison juste là. Let's go! Le point Tunisie, j'ai eu beaucoup de mal. C'est sûrement moi. Il n'y avait pas beaucoup de panneaux, fallait voir. Et ensuite, hein, bah, c'est sûr qu'il fallait avoir la notion. Enfin, moi, j'ai fait des maps Tunisie récemment pour la Ligue. Et ouais, les trucs en L quelque chose, ça m'a fait directement penser à des quartiers de Tunis, donc je suis allée voir et il se trouve que c'était le bon call. Bonsoir Flamby! Comment vas-tu? Bienvenue! Apparemment, il n'y a que moi qui ai des points sur la R4. Eh bien, bien joué à toi! Donc là, c'est le round cassé, c'est ça? Ah oui, effectivement. Petit refresh quand même, au cas où. Très bien, donc j'ai dit on se met en Suisse, on va se mettre dans Berne, on va se mettre là. Ça dégoûte, allez. Oh jure Théophile van der Elst. Watermal, Boisfort, oh Boisfort c'est pas... Watermal, Boisfort. Ok. J'ai dit quoi il y a 2 secondes, genre, et j'ai déjà oublié. Théophile van der Elst. D'accord. Bon, j'arriverai pas à le faire en no move, mais bon, c'est pas mal déjà. Il y a un petit rond-point. Anglebert Frémineur. En Frémineur.
Épicéa, centre, espace Delvaux. Attends, là, il est trois tilleuls. Est-ce que Épicéa, c'est un truc, genre un nom de quartier? Plus vers le nord, je pense que ce sera mieux pour trouver des infos. Tuya, mais j'ai vu ça, Tuya, non? Non, c'était Tilleul. Parc sportif, le logis floral, L'Oréal, Calypso 2000. Rien qui. Mince alors! Encore un rond-point. Peut-être que je suis pas dans ce quartier en vrai, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de ronds-points et je les vois pas trop, ces ronds-points. Il y a un QI. Et se voyait la piscine. Attends, mais je voyais pas la piscine! Je suis aveugle du cul, hein, c'est chaud. Hein. C'est ça le rond-point, ok. Dommage, j'ai pas vu. Aveugle, hein. Aveugle man. Bon, évidemment, on ne prend pas en compte le R4, où Thomas a eu une chatoune légendaire. Ah, t'as été timed out sur le R4, Gaston, ce qui explique que tu n'aies pas eu de points. T'as eu 5K à la fin, GG. Ouais, mais le R4 était cassé. Hein. Ah, GG, Gaston. GG, pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon, je suis une merde parce que je ne sais pas placer mon Targi sur une map. Maintenant, je sais. Et ça, c'est cool. Je préfère l'apprendre maintenant que de l'apprendre plus tard, voyez-vous. Genre, je sais pas, moi, pendant un match, par exemple. Essayons de voir les choses de manière positive. Ah merci, j'étais en train de chercher le lien mais tu l'as envoyé sur la map. Je vous fais tout de suite un petit challenge Europe No Move. Voilà. Et Nico, si tu veux bien également m'envoyer la map Mystère France, ce sera avec plaisir. Et ensuite on fera une petite diversité de la Suisse. Voilà. J'ai même pas pu le jouer, le jeu m'a dit nope en 3 secondes. Ouais, c'est bizarre, en général ça se comporte autrement. Bon, après ça reste un point buggé, donc tu veux, dans l'absolu, on peut retirer le score R4 de chacun. Ce serait bien qu'il y ait une option où on puisse décocher des rounds entiers et que ça mette à jour le score pour qu'on ait une visualisation. Par exemple, quand t'es en mode genre, vas-y, le R2 était pas représentatif, j'enlève, et tu veux comparer les scores de chaque joueur par rapport aux autres rounds. Ça pourrait être cool comme fonctionnalité, en vrai. Je sais pas s'il y a un plugin qui existe pour faire ça, peut-être. J'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, c'est cassé, je tente un pays où la Street View est pas ouf. Bah moi, j'ai eu pas mal de soucis sur des Street View en Suisse, justement, récemment, donc c'est pour ça que j'avais call la Suisse. Mais bon, on n'a pas eu tous les mêmes expériences, apparemment. Montargis, si tu veux un truc rapide, c'est au croisement A77, A19. Si tu retires ça, c'est plus facile à trouver. Ah non, mais sinon, ce que je fais... Je t'explique, Gaston. Ce que je fais, sinon,
c'est que j'ouvre mes yeux, car, aux surprises, Montargis se voit de loin. Truc de ouf, non? Voilà. Et oui, effectivement, sinon le croisement des autoroutes... Mais encore faudrait-il que je retienne que c'est le croisement de la A19 et de la A77. Il n'est pas impossible que je ne retienne pas cette information. Alors que Montargis fait 18 000 habitants. Ah non, mais par contre, évidemment que ça n'a pas l'air petit. Mais j'ai la capacité oculaire d'une taupe dans le noir complet, quoi. À peu près, hein. La 19 est une autoroute trop chère à fuir. Notez l'info. Ce sont les autoroutes, c'est trop cher, globalement. Allez, c'est parti pour du petit No Move Europe sur les petites maps de notre cher Thomas. Carilla, tu n'oublies pas qu'il s'agit de l'Europe. Que si jamais l'envie te prend d'aller en Turquie, par exemple, tu restes à gauche. Si jamais il y a un point qui ressemble à la Géorgie, c'est non, c'est pas la Géorgie. 22,40€, 131 km. Combien ? Par chez moi, j'habite juste à côté d'une entrée d'autoroute, et d'une sortie d'autoroute du coup, où d'office tu payes 1,30€. Peu importe que si tu viens de rentrer, de sortir, tu payes 1,30€. C'est trop bien. Yes, là, la 44, exactement, Thomas. Et MTC. L'autoroute la plus chère de France, c'est l'A86 en région parisienne. D'ailleurs, seule autoroute payante d'Île-de-France. Ah ouais ? Oh, let's go ! Si tu sais que t'es en Île-de-France et que t'es sur un péage d'une autoroute, tu sais que t'es sur l'A86, quoi. Ça, c'est vraiment un pro-type de géoguesseur. 18€ pour 10 km de tunnel. Mais les tunnels, ça coûte cher, hein. C'est un tunnel. On fait une tier list des autoroutes. Parce que là, vous êtes bien partis pour, hein. Ok. Douglas, c'est bien là. Oui. Or Erin. Attends, quoi? Non mais la 5, je peux lire, au secours. Et moi, j'en supplie. Port Erin, ouais, d'accord. Sauf que là, il y a... Non, ça marche pas. Holy shit. Avec ce truc. Marche pas. Il est marqué A7, c'est pas la bonne. A5, putain, je regarde pas la bonne autoroute. Fuck it.
Est-ce que... Oula. On clique pas du tout là, il faut. Bassara Alve. Vanterilia. J'ai l'impression que ça marche pas très très bien. Je crois que ça tourne, hein. Moi ça me va en vrai. Hein. Bon, à part que je suis un véritable caca au R1 et que le R3 était dur. GG tout le monde. GG. Bravo le brigand. Le topin. Bravo Flamby pour le presque 20 000. Bravo Miko pour le 17 000 tout pile. T'aurais voulu faire exprès que t'aurais pas réussi. Et si c'est mal passé? Le R3. Ah oui, d'accord. Bah c'était le Portugal, hein. Non mais le point Portugal était pas très facile. Qu'est-ce qui s'est passé Flamby, le R5 là? Ah non, c'est terrible, hein. Ah oui, alors là, alors comment te dire? La E45. Voilà. C'est-à-dire que voilà. Terrible. Terrible. Ah oui! Miko qui nous propose une petite map Mystère France. Donc avec... du coup un thème à trouver, hein, je suppose. Ça se joue en move, n'est-ce pas? Je connaissais pas Port-Jus. Ah mais moi non plus. Je connaissais pas Port-Jus. Connaissant Thomas, en général, les infos, enfin je veux dire, si les villes te disent vraiment rien, c'est qu'a priori elles se voient quand même. Et comme j'avais vu Gallivar, j'ai vu Port-Jus en zoomant en fait. Mais connaissant ma capacité légendaire à ne rien voir, j'aurais pu ne pas le voir du tout, hein, je veux dire. Voilà quoi. Allez, je vous fais un petit lien vers la map mystère France. Merde, j'ai un doute. Attendez, j'ai un doute. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça, c'est bon. J'ai cru que je m'étais gouré de map. J'avais refait un lien vers le challenge de, de Thomas. Ok. Et après, nous ferons de la diversité suisse. Et à un moment, il faudrait que je fasse de la Thaïlande aussi. Juste pour voir à quel point la Cactus League va être rigolote ou pas. Thomas met tellement de points pièges que je me suis dit qu'il avait mis un point sur une île. Ah oui, il aurait pu, certainement, oui. Mais non, Miko, je ne suis pas comme ça, voyons. Non, Thomas, il adore les points photosphères en Allemagne, par contre. D'ailleurs, Tarila, le savais-tu? Le tarif du tunnel de l'A86 est variable selon l'heure et le jour de la semaine où tu le prends. Oui, donc j'imagine que c'est pour dissuader les gens de prendre l'autoroute pour rien. Ou juste pour se faire un paquet de fric sur les horaires de bureau le mardi et le jeudi, peut-être. J'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou pas. Globalement, je trouve que, bon, bah, de toute façon, le système de paiement d'autoroute en France est clairement abusé. Voilà, rappelez-vous que c'est une map mystère, donc gardez les points ouverts histoire d'avoir les infos. Genre le mardi à 3h du mat, c'est que 4 € et le jeudi 7h30, c'est plus de 14. Ben voilà, comme ça tu vas travailler à 3h du matin le mardi. T'imagines ton employeur qui te dit « Ah non, non, l'autoroute ça coûte trop cher, je paye la moitié, mais genre tu viens travailler le mardi tôt quoi. » Ou alors tu dors sur place. L'angoisse. Oui. Et voilà, là je le sens que je viens de faire du no move. Je bouge beaucoup moins vite. Oh!
Oh, ça me dit un truc, ça. Ah bah oui! Oui, tout à fait! Le Grand Avignon. Comment s'appellent les trucs? Rue Saint-Jean-le-Lieu. Rue Général Leclerc, ouais. C'est quoi ces gros bâtiments? Les Halles. Maison de la Tour, parce que ça fait ressembler un peu à une tour où on était là, c'est pas ça? Non. Après, je me méfie parce que le Grand Avignon, ça veut pas forcément dire Avignon Centre, hein. Peut-être que je suis en train de me faire prank là sur ce coup. Donc bougeons un peu. Essayons de repérer, je sais pas moi, la Cité des Papes par exemple. Ah bah si, ça c'est clairement les remparts d'Avignon ça. D'accord. Je suis où? Les Halles, sud. Mais je suis déjà venue ici. Ah, je vois pas. Attends, mais là-bas, on est d'accord qu'il y a bien la voie rapide ensuite. Enfin, le truc qui fait le tour d'Avignon. Ah, je suis peut-être pas du tout là où je crois en fait. Bah, si. Le Pontet, Université d'Avignon. Mais au secours, hein, je vois rien, c'est terrible. Poncer les villes, c'est terrible, hein, j'y arrive pas. Hein. D'en fou. Rue d'en fou. Ou pas? Oh putain, j'espère que c'est ça. Non, c'était au-dessus, j'ai envie de crever. Est-ce que j'avais pas genre mon point dessus il y a 2 secondes? Allez, Al, putain! Mais. Mais je vois pas ça! Je ne vois pas ça. À quel moment je ne vois pas le point d'intérêt, les Halles d'Avignon? Est-ce que c'est possible d'être plus aveugle que ça? J'ai un problème. J'ai pas laissé le point ouvert. Je me déteste. C'était une map mystère, bordel. Au pire, je rouvrirai à la fin. Tant pis. Disons que c'est pas une course de rapidité, d'accord? Et au pire, mais c'est bon, je regarderai sur la map où j'étais en fait. C'est tout. Je sais où était le point. À côté du point d'intérêt, les Halles. Ils se voient de très loin. Le cul-de-sac, ça. Ouais. Et une église là-bas. Allons vers l'église. C'est toujours le bon plan d'aller vers l'église. Bah, elle est par là. Vin et crémant d'Alsace. Ouais, mais ça fait pas du tout Alsace là, si? Ok, il y a des maisons violettes, hein. Une maison violette! Mutzig, Dorlitzheim, port de Mutzig. La D392. Strasbourg, la D500. Schirmeck, Obernai. Attends, Obernai.
Mutsi. Je dis quoi, 392, elle est là. Scindier. Moi, je vois pas la D500. Moutsich. Je suis vraiment Moutsich peut-être. Moi, je vois pas la D500. Bien vu, 5K. Pourquoi? Ah, j'ai peut-être le thème. Pourquoi je vois pas la D500? C'est où le prank? Putain, c'est là, D500. Mais quoi? Ah mais ça commence... Oh là là... Ah ouais mais ça commençait loin... Ok, ça commençait ici, du coup je voyais pas. Je croyais que ça c'était la 2422, genre j'étais comme ça très probablement. On était à Dorlisheim du coup. Merde. Ok. Et donc du coup, je vais regarder juste vite fait le point à Avignon parce que je me rappelle où c'est. Regardez, c'est très simple, c'est à côté des Halles d'Avignon. C'est par là. C'était même là, apparemment. Rue en fou. Ok. Allez, point suivant. La timide vérité. Ah, les bons platanes du sud de la France. Saint-Hilaire de Beauvoir. Ah. La D120. Il y a des chevaux. Oh merde, le pic Saint-Loup. Ah oui, le pic Saint-Loup. Oui, oui, le pic Saint-Loup. Ah oui, Galargue, Sommière. C'est côté de Nîmes, ça. Galargue, Sommière sur la D120. Galargue, Saint-Hilaire de Beauvoir. Oui, Beauvoir. Saint-Hilaire de Beauvoir. La timide et vérité, je sais pas, je sais pas. Parti où? Là? Ouais. Le chemin des rompudes? Ah oui, oui, oui. Bien ici. Et même plutôt là. Let's go. Putain, ça fait trop plaisir, quelqu'un qui pense à mettre des points dans cette zone. Trop bien. C'est où le pic Saint-Loup? Pic Saint-Loup. J'ai pas le thème, mais au moins c'est de la France tranquille sans se prendre la tête. Le pic Saint-Loup, là c'est là. Pas du tout une joueuse montagne, moi. D'accord, donc c'est vraiment genre au nord de Montpellier. Oh, c'est par là, ok. Bon d'accord, vas-y fais voir... Bah là tu vois, j'ai plus le thème. Je pensais l'avoir et là je l'ai plus.
a été élu plus belle rando de France, le pic Saint-Loup, je crois. D'accord. Ok. C'est quoi les prochaines randonnées du coup que t'as prévues? Tu disais vers Grand-Rieux là tout à l'heure? Ok. À 40 Genève, Annecy 40 bornes, Frangy sur la. Il garde sur Valaiserine. Peut-être que ça peut se trouver. Donc Genève, oui, la A40, qui n'est pas très loin. Oui, Frangy. J'ai faim. Ça me fait penser au frangipane. Maintenant, j'ai faim. À la frangipane? Le frangipane? Je sais pas, je sais pas. Frangy, oui. Bellegarde quelque chose. Et sinon, je trouve le numéro départemental. Hein, ça sera plus rapide. La D101F vers Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Belley. Château de Musinan. Et vraiment, il n'y a pas moyen d'avoir le numéro de la départementale là, parce que c'est. Ah, la 1508. 1508. Point F. Ah, bah voilà. Let's go. On est devant là. Il faut des références pour comprendre ton thème, Miko. Ah ouais, il faut des refs là, non? Normalement ça va? Ah ouais? Merde. Je vais en Lozère normalement au mois de juin. Puis traverser du Jura en juillet. Ah waouh. Trop cool. Ça va faire des belles photos ça. Pardon? C'est une street view piéton ça? Qu'est-ce que quoi? À l'aide. Non, c'est bon? Ok, c'est bon. Au bourg de Saverne. Bon, on est à Strasbourg, peut-être? Marqué quoi là? Au bourg de Sauverne, à 4, à 35. À 35, à 4, on doit être à Strasbourg. Mittelhausbergen, Oberhausbergen. Ouais. Kronenbourg, ouais. Et Halle-Kléber, ah, les Halles! Regardez, place des Halles! Oh, bravo! Alors, pardon. Traversée de la flotte, il y avait une église. Hein. Ce serait pas genre par là? Église Saint-Thomas. Non, c'est pas ça. Gare centrale. Hein. Ouais, la gare, ouais. Donc on doit être dans la direction générale de par là. Faubourg de Saverne, oui! Oui. Sidi Bou Saïd. Ah oui, comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Et même plus précisément, on est là.
Opticien Strasbourg. Oui, c'est ça. On est devant un opticien. Merveilleux. C'est bon. Bravo. Heureusement que je joue pas la France en ligue. À qui le dis-tu, Flamby? Pour rappel, allez voir mes perfs de la Cactus League en France, c'est très drôle. Hein. Le point s'est déplacé. Ah non. Terrible. Ah, attends. Hop, et je rouvre mon R1. GG, hein, Thomas, pour le 25e. Incroyable. Bravo. Petit coup dur par-ci par-là pour Flamby. Il n'y avait pas les infos. Dommage. Pour la ref au 5, il faut regarder sur la carte parce que le point est déplacé. Ok. Non, ça c'est Avignon. Alors, sur la carte. Le Grincheux. Rue du Vieux Marché au 20. Sidi Boussaïd. Je sens que c'est... Je pense que c'est une ref que j'ai pas. Ok. Ça, d'accord, ouais. Ah putain, Alors par contre celui-là je le comprends pas mais ok je crois que je l'ai. Ah mais c'est bon j'ai. Attends je t'envoie ma réponse. Comment on fait? Est-ce que c'est... À écrire. Est-ce que c'est ça le thème? Ai-je le thème? Oui, Thomas a raison, hein, c'est en faisant des cides qu'on s'améliore, clairement. Clairement. Ah bon? Merde, est-ce que je l'ai envoyé à Thomas? T'as pas reçu ce que je viens de t'envoyer, là? Sur Twitch, hein. Sur Discord. Allez, du coup, en attendant la réponse, merci déjà pour cette map, hein. Très très sympathique, merci. Je refresh pour voir. Bah merde, ça marche pas. Pourtant, Miko, bah oui, c'est bien ça. Si c'est bon. Ah, trop bien. Bon, alors si vous... Je vais dire le thème, si vous voulez pas vous spoil, bouchez-vous les oreilles. Donc du coup, le thème, c'était... Il fait les refreshs, incroyable. Du coup, le thème, c'était... alors, je vous mets les indices, hein. Voilà. Ensuite, où qu'il est. Ensuite, là... Ensuite, bon, je pense que c'est ça, hein, l'indice, du coup. Ah non, c'est ça, pardon. Putain, c'est ça, l'indice. Genre, ouais, ça doit être un livre, du coup. On s'en fout, ça marche. Non, c'était ça, l'indice. Ensuite, ça. Et enfin... Ah oui, celui-là, je comprends pas, par contre. Ah si! Mais j'ai tellement trust sur 3 indices sur 5 que c'était bon, en fait. Je suis trop... Yes. Ouais, bien vu. Ouais, on se calme. J'ai bien vu 3 indices sur 5, j'en ai découvert 2 en direct, genre là maintenant. Bien vu. Merci pour cette map, c'était rafraîchissant. Merci beaucoup. Bon, est-ce que... Ah oui, on avait dit diversité suisse. Oui. C'est en mode genre, vas-y, je pars sur la Thaïlande. Mais non, on avait dit la diversité suisse. Est-ce que c'est bien la map diversité suisse?
Il y avait un resto à Choum dans le nord. Ah, sur un autre point. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs. Mais oui, mais tu sais que je me suis posé la question parce que quand on ouvre ta map et qu'on s'apprête à créer le challenge, il y a marqué qu'il y a 7 points. Et je t'en mets genre, c'est chelou pour une map mystère d'avoir 7 points. Mais oui, c'est logique en fait. Le village de Joyeux dans le Rhône et le resto Hatchoum dans le Nord. Incroyable. Oh, c'est trop, trop bien pensé. Ah, j'adore. GG. Du mouf, 3 minutes. Sur cette diversité suisse, map confirmée par Le Brigand. Le Brigand qui va nous coacher, évidemment, et nous insulter quand on ne trouvera pas la ville, je ne sais pas moi, insérée ville que tout le monde connaît en Suisse sauf les non-Suisses. No move 20 secondes. Bah vas-y Thomas, go le no move 20 secondes. 10 bisous Miko, bonne nuit à toi. Merci beaucoup pour la map, c'était cool. J'espère que tu t'es bien amusé sur les sites de cette soirée. À bientôt. Bye bye. Bye bye bye. Allez, la Suisse. Let's go. Ah, faudrait apprendre les cantons. Je connais le canton de Vaud. Voilà, c'est tout. Allez, on va voir. On va voir ce qui se profile. C'est la Suisse. Je reconnais. Et je sais reconnaître la ville de Sion grâce. Je crois que c'était toi en plus de Brigand qui l'avait dit sur un stream, je sais plus de qui, c'était peut-être Monsieur Ripaillou. Sion est reconnaissable grâce à ses châteaux. Avant Fribourg. Merde, je paume toujours Fribourg, c'est terrible. Je crois que c'est par. Oui, Fribourg là. Ok. Et Avanche. Avanche, d'accord. On est peut-être à Courtepin? Non. Courtepin, Courtion. Oui. Administration communale. On est peut-être à Cournian ou à Barberèche? Route de Fribourg, ouais. Et. Non, les Grands Prés. D'accord, je pensais que je pourrais le trouver comme ça, mais visiblement non. Ok. Minute 33. Si on pouvait par exemple sortir du village, avoir son nom. Ok, Avanche à 5 bornes, oui. Misery, commune de Misery-Courtion. Ou des grands prés. D'accord. Derrière les clos. Là. Non. Si. Cinq mètres. Let's go. Je vais encore teaser, mais là, No Move 70, c'est incroyable. On en était rendu où déjà? C'est laquelle qu'on vient de faire, Thomas? Je me rappelle plus. On fera une petite No Move Europe après la diversité suisse. Bon, ça va, Fribourg. Fribourg, j'ai retrouvé, ça s'est bien passé. Zone mat chez Druti Blanc.
Prends une décision, Tarella. Bruel comme Patrick. Patrick Bruel. Évidemment. Oh! Oh oui! Oh, merci beaucoup. AdP quadruple X pour le Prime, merci beaucoup. Je sais pas comment faut prononcer ton pseudo. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue dans le cul-de-sac, bordel. C'est très gentil, merci. Comment vas-tu? On était à la 67. Aïe, aïe, aïe. La 70 se rapproche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au secours. Moins d'infos SVP. Possible ou pas? Ouais, toi? Dis, ouais, ouais. La route. Mais comment? Non mais vas-y là, secours, cul-de-saqué des deux côtés, vas-y ça dégoûte, vas-y y'a quoi là? Chez Druti Alpe. Attends, panorama quoi? Luzerne? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Luzerne. Lucerne? Est-ce que Luzerne c'est Lucerne? Ça me plaît moyen. Hein. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Hein. Ouais, mais là, c'est cul-de-sac qui est des deux côtés. Comment je fais, moi? Vivement le tips du pro player suisse, là, parce que ça va être compliqué. C'est trop flou. J'arrive pas à voir ce qui est marqué sur les arrêts de bus. C'est terrible. Et de remonter calmement le bout de tronçon de route que j'ai le droit de parcourir et voir s'il n'y a pas une info en plus. Boss Gorgueux, ouais. Ok, c'est ça, ok. Chez Druti Strasse. Quoi? Non mais vas-y, c'est scandaleux, comment tu fais ça? C'est quoi le bail, là? Comment as-tu su? Bon, j'ai vu Luzerne sur un panneau, c'est déjà bien, je suppose. Ok. La suite. Il y a des rails. Fort bien. Dinkelhoff, j'ai vu. Sur le petit carrousel là. Luzerne le retour. 26, ouais. Zengen, je le vois là-haut, ouais. Arao. Arao, c'est là, ok. Valiant. Tell off. Alors la 26 c'est là. Ah, Lloydville. Et en plus j'ai traversé des rails donc ça m'arrange. Yes. Et là quand on descend... J'ai dit quand on descend... C'est terrible. Ah oui, on est vraiment au niveau de la gare genre. Ok. Ok, ok. Il faut être précis, hein, c'est la Suisse. Une petite rue là, et ensuite c'est un croisement. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit petit
petite rue juste là, into gros croisement. Donc là. Into autre petite rue, into blablabla, je fais un roulé-boulé jusqu'à la gare. Let's go. Let's go. Shadrutistrasse se voit de super loin. Ah bah ouais, mais attendez, moi je suis aveugle, hein, je rappelle. Shadrutistrasse. Ouais. Oui, non mais d'accord, ok. J'avoue que je me disais pas que c'était visible. Indicatif téléphonique. Et Lucerne, ouais. Moi j'avais Lucerne. Bon, j'avais Lucerne, c'est bien. Effectivement, j'ai pas essayé de voir si on voyait la route ou pas. Oh, c'est beau! Vous avez des beaux trucs en Suisse, hein. Des beaux paysages, hein. Franchement. Le sentier des fennes communes de Mercissas. Ouais, je sais pas. Ah. Je vois. C'est beau, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Ah ok, on est mieux là déjà. Alors qu'est-ce que ça raconte? Vita parcours, ouais. Oh, la galère. Mais au secours! Oh, d'accord. Prenons une décision. Par là? Allez, par là. Ah, mais il y a marqué impasse là. Dans quoi? Tu racontes? La Doé, commune de Verossaz. Ah, c'est Verossaz. 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 Vesson... Merde, c'est pas la même chose. Non. Bon, d'accord. Ok. Bon, là-bas, ça a l'air d'être une impasse, donc non. Ah. Ah oui, il est bon, lacet, là. Ah oui, 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 oui. Par contre, c'est beau, hein. C'est très beau. LED. Oh, c'est si beau. Oh là. Maçon Gex. Les Gisettes, la Doé. Oui, oui. Maçon Gex. Oh, je sais pas où c'est. J'espère juste que c'est pas là-haut. J'ai pas vu. Ah oui, maçon. Ah, mais. Ok, ça se voit que si tu zoomes. D'accord, très bien. Et j'ai pas vu. Oh, il faut zoomer de fou! Oh, j'ai fait mieux que le brigand! Le brigand, il a fait en no move, Paris. Let's go! C'est beau là-bas? OMG! On dirait qu'il y a pas mal de villes en Y et en Z par là. Alors qu'ici, ça fait beaucoup plus des noms de bled vraiment bien français, tu vois. Quoique non, il y a un peu de Y et de Z là aussi. Ok. Pas facile. Pas facile ce point. Luzerne, encore. Luzerne, le retour. Kusnacht. Le baiser de la nuit. Il y a vraiment une ville qui s'appelle Le baiser de la nuit. C'est incroyable. Kusnacht, Rotkreuz, Croix-Rouge et Riche.
Riche, il me semble que ça se voit de loin. Avec... Kusnart, ok. Rotkreuz. Riche. Bon, je sais que je suis déjà à l'ouest de ça, en gros. Où ont d'autres infos? Il y a marqué autoroute là-bas. On va aller chercher l'autoroute. Allons chercher l'autoroute. Ok, allons au rond-point. Ouais, riche, d'accord. Pas riche. La 4, la E41, ouais. Kusnart. Kusnart indiqué au sud. Ah, Meyerskapel, j'ai pas vu ça. Ah oui, riche, ok. Ah ouais, d'accord. Non, ça marche pas. Il y avait des ronds-points. Ça allait vers l'autoroute. Il y a un pont. Avec des rails. Non, ça marche pas, l'orientation de la route. Pas mieux que ça, de toute façon, donc... Oh bah, let's go. Parfait. Les points, comme le R4, c'est les pires, parce que si ça t'indique des lieux dits et que tu sais pas où penser, c'est la mort. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, j'ai fait au paysage, mais c'était raté. Ok. Amusant, la ville de Riez, en Suisse. Évidemment. J'ai failli pas le voir, hein, mais j'avais vu Meyerskapel du coin de l'œil, mais j'étais pas sûre que c'était le nom d'un bled. Ça s'est bien passé. Ok, juste dommage le R4. En vrai, c'est dommage parce que j'avais la bonne zone, mais je savais pas qu'il fallait zoomer à ce point pour voir les trucs, quoi. Sinon, j'aurais peut-être fait pas mal. Oh, let's go! 600 points de plus que le brigand sur la map suisse, oui! Bon, Tari, calme-toi, il a tout fait en no move, certainement. Ah, Thomas! Ouais, mais Thomas l'a vraiment fait en no move pour le coup. Merci, mais GG tout le monde, hein! GG tout le monde, hein! Bon, Thomas en no move, donc forcément compliqué. Mais sinon, plus de 20 000, c'est très honorable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le, ouais, le R4 était complexe, hein, mais il était très beau, hein! On ne le rappellera jamais assez. Il était très beau. Let's go. Je suis pas mécontente. Et en moins de 20 secondes sur chaque ronde. Oui. Moi j'ai mis 13 minutes. J'avoue, ça pourrait être un délire, le nombre de points à la seconde comme valeur de référence. Allez, la petite No Move Europe. De Thomas, la 78... la 68. 78. Bientôt à la 78, Targila, mais pas tout de suite. Petite No Move Europe. Et ensuite, je vous propose de me regarder souffrir quelques instants sur une seed Thaïlande. Parce que j'ai jamais fait la médaille Thaïlande. Donc avec un peu de chance, je la one-shot. Mais je ne pense pas.
Et ensuite, bah, je sais pas, on pourra repartir sur un petit peu de diversité francophone, ou suisse, ou belge. Ah sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder s'il n'y a pas des maps GeoGuessr de genre, je sais pas moi, la Nouvelle-Calédonie, des trucs comme ça, là, des trucs un peu chiadés. La centième commence à arriver à grands pas, il n'y aura que des points gratinés. Ah, j'avoue. Ça te met pas une pression de ouf, ça? La centième, il n'y a que des points en Allemagne. Et des points qui font penser à la Géorgie, alors que c'est une map Europe. Tout le monde va se mettre en Géorgie, ça va être incroyable. J'en ai déjà trouvé. Ah, let's go. Let's go, let's go. Ok. On va bientôt y aller. Allez, Europe, Tarila. Oh, Yanovo, Venezia, Vaudin. 609, 552. Attends, Vonnechta Vaudin. Vonnechta Vaudin. Rianovo. Gabrovo. D'accord, je trouve pas. 609. On pensait, hein. Cinquante-deux. En neuf. En neuf. Cent neuf, 552. Ça a pas l'air d'être trop ça. Hein. Vicky machin? Non. Heureusement que j'ai trahi la Bulgarie pour la J5. Ah, coup dur. Gabrovo, putain, mais vraiment j'ai rien vu donc je me suis dit go poncer les routes, c'était plus simple. Par contre, ouais, je me suis dit soit c'est mal mappé, soit il y a un prank. Et effectivement, j'ai pas pensé à regarder le bled à côté. Dommage, ça se croisait en deux endroits. Pas de bol. Quoi? Marsala. Marsala. Oh. La gare de Marsala, n'est-ce pas? Oui. Avec cette magnifique petite. Là, peut-être? Ah, mais. Ouais, je pense que la boussole n'est pas juste. Bon, de toute façon, ça ira bien, je pense. 10 mètres, let's go. Amiens, Beauvais, Paris, Rouen-le-Havre. Langy-sur-Brel, le Tréport. Ah, le Tréport. Tréport, c'est par là. Le Tréport. Le Tré, oui. Le 1015, donc. 15, ouais. Et c'est tout, d'accord. Faut trianguler vite. Blangy-sur-Bresle, là-haut. On est peut-être à Nélette. Le Tréport, ouais.
Trouver Paris. Crédit du Nord. Comment je sais? Oh, c'est beau! Je l'ai même pas vu. Grotte de Bettencourt, ok. Oh non, mais non, c'est terrible, hein. 1015, Blangy-sur-Brel, bah alors. Oh, le Tréport. Hein. Oh quoi? Oh Malais? Oh mal. Mais comment j'étais censée savoir là? Attends, mais la 1015, elle est là? Et elle est là? Mais qu'est-ce que c'est que cette... ville envers la route jaune. Donc route jaune qui relie Amiens à Rouen et Le Havre. Bah ouais, route jaune. On en parle de la route jaune, là? Je suis... Non mais il y a bien marqué 2015. J'ai pas compris. Amiens, Rouen, Le Havre. Oui. Donc Amiens, ouais, Rouen, ouais, Le Havre. C'est juste qu'ils ont dévié la route. Oui, bah j'ai vu. Oui, je constate. Ouais, j'aurais dû essayer de trouver. Non, mais en fait, non, je sais même pas qu'est-ce que je sais pas. Je sais pas comment j'aurais pu trouver. À la rigueur, là, il y avait de la flotte. J'aurais peut-être pu essayer de m'en servir. J'ai pas. Ouais. Mais là, c'est super beau, ça. C'est quoi? La cathédrale d'Aumale. Église Saint-Pierre et Saint-Paul. Très bien. Pas le même département, il peut y avoir plusieurs dès 2015. Ah, on a changé de département. Ah ouais, mais du coup, comme il y avait marqué quand même Blangy-sur-Brel sur un panneau blanc avec la dès 2015, je me suis dit, bon, quand même, on doit être plutôt de ce côté. Ah, mais ouais, mais en fait, on a la frontière tout du long. Quel enfer. Quel enfer, hein. D'accord, très bien. Bien trouvé ce point. Bien, bien franquesque, hein, visiblement. Personne n'a fait 5000. Intéressant. L'obèse. Sweden. 148, 152. L'obèse à mon sud. Ok. Mètres. Let's go. Bravo, tout le monde l'a eu sur ce coup. Bien joué tout le monde. Oh non. Oh non. Non. Nico Bing. Oui, mais encore. Tiens. Kalundborg. Kalundborg, 55, ouais, 231, ouais. On est devant le Orchard Bill Center, absent, bien sûr. Il y a plusieurs Nico Bing, oui,
Oui, il y a plusieurs Nicobings, c'est pour ça que j'ai dit un an quand j'ai ouvert le point, parce que j'ai vu Nicobing, je me suis dit, allez, à tous les coups, je vais pas avoir le bon. Il y a un Nicobing Sailand ici, un Nicobing Falster là, et je crois même qu'il y en a un autre, je sais plus où. Bref. Assez problématique. Hein. Eh bien, bravo, 24 689, c'est pas mal en vrai. Et vraiment, le point où j'arrive vraiment pas, c'est la France, quoi. C'est quand même terrible. Attends, il y en a un que j'ai foiré aussi, c'était où? Ah oui, la Bulgarie, c'est vrai. Bravo tout le monde! Bien joué. Le Brigand, 22 410 points. Flamby, 16 236 points. Bravo, bravo. Ok! Bien merci Thomas pour cette map. Merci beaucoup. Allez. On repart sur. On va partir sur. Vas-y, je fais un coup de Thaïlande, histoire de déprimer. D'accord? Ça prendra pas longtemps. Hein. On essaye de voir si on peut au moins avoir la médaille de bronze. Et ensuite, ensuite, on refait des trucs genre diversité, de francophonie, voir des maps un petit peu. Je vais m'appeler en attendant, pas de problème. Si vous avez des suggestions de maps en rapport avec la francophonie, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Salut Tony! Comment il va Tony? Ça fait longtemps Tony. Île-de-France, non. Non Gaston, pas l'Île-de-France. Alors ça rentre dans les critères, je suis d'accord avec toi, mais en vrai... Alors, ouais, je ne lis pas cette langue. Je ne lis toujours pas cette langue. Oh, waouh! Ah, et le jeu qui me dit, non mais meuf, la Thaïlande, en fait, c'est pas ton niveau. C'est pas ton level. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Genre, c'est cul-de-sac des deux côtés. Il n'y a rien, il n'y a même pas un numéro de route, rien du tout. Quel enfer. Comment ça va, Tony? Je refais le chemin au cas où, hein, mais évidemment, a priori, ça va être... Ah oui, là, en plus, il y a un gros jump, ça se trouve, il y a un croisement, je peux même pas le choper. C'est vraiment terrible. Même pas, genre, sur un malentendu, on chope une info. Ah, on n'est pas allé par là, si? Si, merde. Ah, ça va être le guespif, hein. Ça va partir comme ça, je pense, hein. Oh, la civilisation. Un peu plus. Ah, alors peut-être. Des rails, let's go. Des rails en nord-sud. Vous n'allez pas en avoir partout des rails en Thaïlande, si. Je ne connais pas la qualité ni l'étendue hein. Des infrastructures ferroviaires de ce pays. Donc ouais, Tony, désolé, on est censé faire de la diversité francophone, et là, je m'accordais une petite pause pour try la médaille sur la Thaïlande. Parce qu'il y a la Thaïlande à la Cactus League, et bon, j'avais envie de voir et de souffrir un peu. Peut-être de grab une médaille au passage, on sait jamais. Oh, let's go, peut-être des infos. Il reste 30 secondes, let's go. S'il plaît. Je vais lire ça. Ah, the fuck! La 11. La 11. Il y a des rails! Ça s'est bien passé. Comment tu obtiens les médailles? Alors il faut jouer. Je vais te montrer. Il faut jouer dans classique. Là ici t'as Explorer Mode. Clique sur un pays que tu veux faire.
Et ensuite, il faut faire un certain montant. Par exemple, alors je les connais pas par cœur, désolé. Je sais qu'il faut faire plus de 22 500 points sur une seed pour avoir la médaille d'or. Et ensuite, je sais pas c'est quoi les scores en dessous. Je le connais mal. Bon, bref, plus ça va, moins tu. Ah, mais non, mais je crois que la... Ouais, voilà, la médaille de bronze, en fait, on l'a d'office, c'est ça? Regardez, j'ai fait 7000 points sur le Japon. Bravo, quoi. Je fais pas beaucoup l'Explorer mode. Ça doit dater d'il y a longtemps. Voilà. Et sache que tu ne peux pas créer des challenges sur ces maps-là. Sinon, bah, tu la joues, mais ça te fait pas de médaille, peu importe ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que là, je la fais très vite fait. Histoire que j'ai la médaille de bronze, du coup, potentiellement. Et que. Mais bon, voilà, vous pouvez pas jouer sur cette map, du coup, je. 15 000 pour l'argent, ok. 22 500 pour l'or, voilà, exactement. 7 500 sur le bronze. Ah, on peut ne pas avoir le bronze? J'ai fait combien au Japon? Alors non, hein, j'ai un contre-exemple. Hein. Juste là. Regardez. Juste ici, là. Là. Quel enfer. Donc voilà, pour l'instant, je suis une petite seed Thaïlande toute seule. Et ensuite, on repart sur de la diversité de la francophonie. Peut-être des trucs genre, je sais pas moi, des maps de la Nouvelle-Calédonie, si ça existe, ou un truc comme ça. Voilà. Pour le topo. Tony, il est joué avec nous peut-être. Ok. Ah ouais, il doit y avoir des indicatifs téléphoniques exploitables en Thaïlande à tous les coups, non? Tesco Lotus. Ouais. Agrémenter Europe. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'ai surtout joué l'Europe, en fait. C'est clair. Donc, ouais, tu peux t'amuser à try les différents pays et t'auras peut-être des bonnes surprises. Hein. Ça dépend beaucoup des seeds, hein, c'est sûr que. Quoi? 2248, c'est ça qu'il faut lire? Est-ce que c'est rangé comme ça? 22 000. Pas trop sûr de cette info. Apparemment 5K pour le bronze, 15K pour l'argent, 22,5K pour l'or. 25K pour se la péter, évidemment. Évidemment. Huailang Waterfall, Fushong Nayoi. Et à Funang, Fushong. Why long? Extraction. C'est les 4000 là-bas. Ok, bon. Nachalwai, Det Udom. Ratchanai, je sais pas. J'aurais peut-être pas me mettre autant à la frontière, c'était pas une bonne idée. Me rapprocher par là, c'était pas une bonne idée, mais. Là, on joue au Guessr Bug. Pas si c'est une bonne idée. Oh ouais, je pense que j'étais quand même mieux là-haut. Oh, je sais pas. Je pense que ça aurait été pareil, voire pire. Ah, c'est vraiment la 2248. Ah ouais, d'accord, mais c'est. On s'est rangé à peu près, quoi. Mais effectivement, j'avais pas pensé à poncer là-bas. Ah, Fushong Nayoi, ça se voyait. Ah,
Il fallait zoomer quand même un petit peu. 365 points, bravo. Incroyable. Parfois, la plupart des waterfalls sont le long du fleuve à la frontière du Laos. Ah, merci ça. Merci pour l'info. J'avoue que ça peut être pas mal. Je pense qu'il suffit de passer, de jouer les maps officielles. Oui, effectivement, si tu trouves les maps officielles directement, ça équivaut à les piques sur l'Explorer mode directement. Mais après, ça permet, enfin, j'indiquais où était l'Explorer mode pour qu'il voit aussi, du coup, les médailles, quoi. Tu peux voir plus facilement où tu en es. Mais tu as raison. Tout à fait d'accord. Il ne sait pas lire cette langue. Et des numéros de téléphone. Je suis sûre, les numéros de téléphone, ça carie dans ce pays, non? Ouais. Je pense que je vais galérer à trouver un numéro de route, hein, là où je suis. Voilà, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Ouais. C'est terrible, hein. Pas drôle du tout ce qui se passe. Mais j'ai rien, mais c'est terrible. Oh, let's go, une route qui a l'air mieux. Trop bien. Les waterfalls. Again. Fayao. Fayao, c'est marqué. Alors, la plupart, sauf celle-là. Ah si, quoi que si, la frontière du Laos, ça marche aussi. Ici aussi. Fuck it. Bon, c'est bon, t'as raison. Ça t'écoute. Oh, par contre, Fayao, dommage, ça se voyait de loin, mais j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Oui, le Laos a une frontière, ici aussi, effectivement, ça marche. Bon, hein. On peut encore... C'est quoi la médaille de bronze, du coup, on a dit 7500. Ça reste possible. Ok, je vais pas aller par là. Je ne lis pas cette langue. Ok. Ah, c'est de la bonne route, ça. Ocean Camp. Ok.
avoir une petite borne. Demi-tour, super. Alors, la 33L. L. Non, la 331, ok. Ouais, mais par contre, au secours. 29 secondes. Ouais. C'est vraiment genre tout droit. J'ai vu ça. Ouais, au secours. Bah on doit être là-dedans, à peu près. Je sais pas trop où, mais... Bonne chance à tous. Bon, ouais. Ok. Médaille d'argent, c'est combien? Oh, c'est possible! Il faut que je fasse un 5K là-dessus. Quel enfer. Alors, peut-être. Ce serait très vert ici. Hein. Ok, je lis rien. Oh! Oh! La 4012! Il y a encore quelques 4000 là-haut, mais je pense que vu comment c'est vert, on est plutôt par là. Ok, avançons. Je l'ai pas vu. Et vu que je suis censée faire 5000, ce serait bien en tout cas. Ban Huai Shua Tao. Merde. Il y a de la flotte. Oui, d'accord. Je la vois pas la 4012, c'est terrible. Ouais bah non, je sais pas. Où elle est, je vois pas. Oh! Il y a toutes les 4000 du monde ici. Et c'est une bleue peut-être.
Ah ouais, non, c'était même pas genre une route à la... Ok. Ça dégoûte. Waouh. Il y a deux caractères dans le numéro. Donc c'est une route régionale bleue. Oh non. Je pensais vraiment que c'était pareil. Deux caractères de la région, mais j'ai jamais eu le courage de les apprendre. Il y en a 77 et toutes les lettres se ressemblent trop. Oh mince alors. Bon bah, médaille de bronze du coup. Bravo! Quel enfer! Ouais, ça je savais. Oh merde! Enfin, c'est vrai que c'était pas une grosse route, mais je me suis dit, bon, vu que les 4000 en général c'est par là, ça devait marcher. GG, ouais, merci. Bon, allez! Faisons autre chose. Faisons autre chose. Hein. C'était le moment sympathique. Est-ce qu'on peut. Ça aurait pu être n'importe où, oui, avec une route comme ça, oui, effectivement. Ouais. Mais j'étais persuadée que. Ouais. Tant pis. Et c'était quoi l'info que j'avais eue? Mayong, non, c'était pas ça. Ça se voyait pas du tout, même là. Ouais, je sais pas. Plus c'est pot, bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on fait-on? Avez-vous des suggestions? Est-ce qu'on repart sur de la diversité, de la francophonie? On peut repartir sur de la diversité de la francophonie sans problème. J'ai fait une ATR 5 si vous voulez, de la diversité de la francophonie. Tu l'as mis sur le Discord de la Ligue, c'est ça? Mais c'est censé être de la coop, non? Hop, on veut. Attends. Mais on n'a pas d'ATR 5 pour la journée. Non, il n'y a pas d'ATR 5. Donc, a priori, on devrait pas la faire en entraînement. Et c'est en rapport avec la diversité de la francophonie? Des bisous, Gaston. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien. En rapport avec la francophonie. Ouais, vas-y. Parce que c'est du no move, ok, vas-y. Merde, j'ai fait clic. Je suis con. Pardon. Ouais. 25 câbles. Ou alors ça. Canard. Oh ouais. Portland. C'est la forme de l'État, ça? Missouri, peut-être? Le pigeon, c'est moi le pigeon. Oh, mais... Orgue. Là-bas, il y a marqué Portland, mais je sais pas si c'est... De toute façon, Portland, c'est pas là. Pas moi. J'ai l'impression que c'est la forme du Missouri, mais ça se trouve c'est pas ça. Et Saint-Louis, c'est pas dans le Missouri. Et Kansas City, c'est dedans, mais
Bah. Je suis. Ok. Donc c'est pas la forme de l'État qu'il y avait sur le panneau de rue. C'était vraiment genre porte-nom de la ville. Ok. Ah, je pensais que c'était la forme de l'État. Ouais, non, mais moi, les États-Unis, bof, j'aime pas ça. D'accord, donc on n'oublie pas qu'il s'agit d'un affineton R5, n'est-ce pas? Donc nous ouvrons le point. Nous ouvrons le point, nous prenons des notes. Donc le R1. Canard, pigeon. Je vais noter tout ce que je vois. Un canard, pigeon. Portland, on sait jamais. Lundi, c'est zoomé au start. Ah. Ça a rouvert comme ça? C'est la bonne orientation ou pas? Pop-up shop vintage, je sais même plus. Non, mais non, c'était ça. C'est canard, je me rappelle. Canard. Canard. Yomé. Il me semble que c'était canard, hein. Canard ou le pigeon, truc comme ça. Bon, ok, ça ira bien. Hop, attendez, je finis de préparer mon bloc-notes. R3, R4. Ah, mais y a pas une ville qui s'appelle Canard au Canada? Moi, je sais plus. Non, je sais plus. On va voir. Pas sur téléphone le temps que mon internet est fini de bugger. Ah, coup dur. London, ok. Donzo, ouais. D'accord. Ah si, c'est bon, je le vois. Genre, vas-y, c'est le genre de truc que je vois jamais. On dirait qu'il y a des trucs de serre de l'autre côté. Et là, il y a... c'est quoi ça? Ça en dirait un parking de covoite. Les toilettes. C'est ça, main entrance du coup. Ouais, ça parle de vélo et tout. Non, en vrai, ça me plaît bien, là. Ok. D'accord. Et donc, du coup, l'indice au spawn était... comme ceci. ZSL. ZSL. London. Zoo. Sorry. ZSL, London. Zoo is closed today. Dur. Bon, après, il y a un gorille, je sais pas si... Et une tortue également. Avec plus, let's go. Voilà, il y a également des pingouins. Et un serpent. Je le note tout, j'en ai rien à foutre. Ok. Le dernier métro. D'accord. Cinquième, j'arrive pas à lire. Cinquième, j'arrive pas à lire.
Quoi? Des arrondissements et c'est le sud de la France? Attends, c'est Paris ça? Voilà, je suis en train de bugger de ouf. Non, mais y a pas des platanes comme ça à Paris. Enjolras, quoi? Boulevard Eugène Pierre. Mais non, mais. Si? Ça existe? Non, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, Marseille. Quoi? C'est pas une poutre, c'est terrible. Oh non. Je suis en train de paniquer. Ok, 8e. C'est pas Paris, ça. Genre, avec des platanes comme ça, tu peux pas être à Paris, c'est pas possible. Je sens que je vais faire un beau choc là. Vous êtes prêts ou pas? Il est où le cinquième? S'il te plaît, c'est pas ça. Laisse-moi au moins trouver un cinquième arrondissement quand même. 1, 3, 6, 4, 5, quelque part par là. Il y a des... Si c'était ça. Ah putain, mais je suis aveugle, ça me saoule. Ok, donc l'indice c'était... J'ai tellement bugué. Oh. Lundi, c'était ça, le dernier métro. Mais il n'y avait pas que ça dans... Attendez, je vais noter tout ce qu'il y a dans l'image. Il y avait Brasserie Tabac, bon d'accord. Eugène Pierre. Il n'y a que trois villes en France avec des arrondissements. Que trois? C'est que Paris, Lyon, Marseille? Il n'y a pas... Il n'y a pas genre... Non, Toulouse, non. Bordeaux non plus? Ouais, mais c'est juste qu'au début, je t'envoie genre, bah vas-y, il y a des arrondissements, c'est Paris, parce que c'est pas Lyon, parce que, enfin, je reconnais Lyon. Et après, quand j'ai vu les platanes, je me suis dit, mais attends, mais c'est chelou. Mais j'y doutais, en fait, c'est terrible. Hein. Tabac, FDJ. Je note tout, hein. D'accord. R4. Non, il n'y a pas Toulouse et Nice, c'est regrettable, ça mériterait. Et Bordeaux non plus, du coup. Par contre, on en parle du fait que le 5e arrondissement, il est genre pas du tout marqué. On va perturber. Bordeaux, il n'y a pas d'arrondissement, tiens. Ah non, eux, ils ont des quartiers, ils ont downtown. Oh yeah. Ok, allez, la suite. Bernal, Craig. Et lundi, c'était ça? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bernal Craig. Bah bonne chance à tous. Alors on se rappelle hein, mon point tout à l'heure aux States, hein, n'est-ce pas? Est-ce que Vernal et Craig, ça se voit de loin pour une raison obscure? Hein. En tiens, ouais. En 6, ouais. Normalement, c'est horizontal, c'est ça? Non mais c'est terrible, hein. Je sais pas faire ça moi. 40, let's go. Vernal et Craig. Oh bah c'est pas ça alors. J'ai trouvé une 40 mais elle a l'air toute petite. C'est pas ça. Non, elle est là aussi, putain. Ok, un Vernal, ça se voit.
Ok, ça dégoûte. J'aime pas les States, vraiment, c'est insupportable. J'ai pas assez joué les States pour savoir bien poncer les routes. Dinosaure. Ah ouais, dinosaure du coup. Ah, terrible ce que je fais. Scanne bien l'image, tu rates une grosse info. Bah à part ça là du coup il faut pas m'aider hein. Laissez-moi me planter comme un caca hein. Y a pas de problème. C'était zoomé comme ça. Bah Ah tu parles de la... Ah tu parlais pas de l'indice, ok. Ah Colorado, ah ouais ok. Ouais, ok. Ouais, non, mais je. Ouais. I live in downtown Bordeaux. C'est clair. Aussi grand que tu crois, Bordeaux, c'est que la 9e ville de France. Okay. Bon! Ils sont 11 ans. Colorado? Alors attendez, donc le Colorado, on y était il y a un instant. Ah, Denver, le dinosaure! Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Le dernier métro, Eugène Pierre, Canard. Qu'est-ce que je vois là? Au secours! Bon déjà, essayons d'être logique. Je suis où là? Je suis dans une sorte de parc, ouais, ok. Denver Zoo. Ah oui, et lundi ça devait être Zoo du coup. Et Duck, les canards. N'est-ce pas? Pourquoi y'a pas de lac? Ah. C'est ça? Non, c'est pas ça. Ça tourne. Attends, réfléchissons. Duck. Duck Lake, Zoo, c'est le point à Londres. Les dinosaures Denver. On est au Colorado, c'est marqué sur le point. Et au R3, il y avait marqué le dernier métro. Dernier métro, Eugène Pierre, Tabac, FDJ. Merde. Mais si c'est un lac ça? Ah putain mais c'est juste que c'est vert. Ok. Putain genre mais c'est pas un... Oui ils sont là. Regardez. Ok c'est bon. J'ai ouvert mes yeux, bravo. Incroyable, ah bah je suis là. Ah, c'est bon. Pas mal les indices et tout, j'ai bien kiffé. Je suis un caca prêt pour me placer mais... C'était tellement vert, je me suis dit, ouais, c'est le gazon, il est chelou, tu sais. Mais non. Pas mal. Eh, hey, t'es cool ta map. Après, je suis une merde, hein, là, franchement. Les States, hein, ça m'a mis au fond. Hein. Je suis terriblement nulle. Mais c'était rigolo. Denver, les dinosaures, incroyable. Le zoo, Duck Lake, incroyable. Allez, une petite Europe, toi. Une petite Europe. Allons-y. Merci hein, pour cette map. Hein. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. No Move Europe, nice. Elle est là. Elle est belle. Bientôt, la 70. Bientôt. C'est cool. Ouais, la dernière avant la 70. À voir si on la fait ce soir ou si on se garde un suspense incroyable pour une prochaine fois. Mystère. Alors après, je vous avoue, je vais pas durer jusqu'à 1h du mat comme j'avais fait la semaine dernière parce que j'ai pas mangé encore.
Et en plus, il faut que je me couche pas trop tard, parce que demain... Ah, regarde, demain, on fait une découverte d'un jeu. Ça s'appelle Strange Horticulture. Ça a l'air d'être un jeu d'énigmes. Et donc, du coup, je streamerai un peu plus tôt. Je commencerai à 15h. Après, je ferai une pause pour manger, évidemment. Et après, il y aura la soirée Assassin's Creed, comme d'habitude. Et il se trouve qu'il faut aussi que j'aille faire du shopping, une fois n'est pas coutume. J'allais faire du shopping, donc il faut que je me lève pas trop tard. Pour aller faire du shopping demain. Le Clatan caché métro, c'était parfait pour l'indice, le dernier. Et donc l'indice, c'était vraiment le dernier? Et comment il fallait l'interpréter? C'est comme tu veux, mais les points sont incroyables quand même. Je n'en doute pas. Ah, le dernier dinosaure. Ah oui, d'accord. J'ai juste vu dinosaure Denver. Ok. Oui, le dernier dinosaure. J'avoue que effectivement, c'était bien trouvé là le point. Bien vu. Bien vu. C'était cool. À part que je suis une merde du coup globalement. Aux États-Unis, faut que je joue plus aux États-Unis. Je dis que je suis une merde et j'y arrive pas, mais c'est parce que j'ai jamais vraiment joué en fait. Zafured, Abad Zalok. Et ça, si je me trompe, ce n'est pas un numéro de route, donc on va éviter de se faire pranker. Ceci dit, j'ai rien d'autre, donc essayons de trouver la 22. À mon avis, c'est juste un kilométrage. Zafured. Abad Zalok. Vraiment la 22, on serait par là, mais je vois pas les bleds. Merde. Ça y est. Ça y est, hein, je commence à vraiment vraiment être aveugle, hein, donc ça veut dire que ça va être le moment de s'arrêter. Tisa Fured. Au secours. Tisa Fured. Et Abdazalog, c'est où? Quoi? Quoi? Ça dégoûte. J'aurais appris qu'il n'y a que 3 villes à arrondissement en France. Ah. Et c'est vrai que moi je pensais qu'il y en avait plus aussi. La Tisa, c'est une très grande rivière, c'est scandaleux. Putain, il y a des Tisa partout, c'est comme ça que je me suis dit. Ah putain, c'est la Abad Zalok. Ah. C'est une rivière? Ah mais il y a un lac aussi, ok. Oh. J'y clique pif, effectivement du coup c'est pas affiné, mais quand même. Quand même c'est... un poil abusé. Alta. Ok. Aspayaven. Il y a de l'eau. 45. Arrêt de bus. Ça va le faire. Alors. mais attends. Mais si, c'est des panneaux norvégiens. Si, on est bien en Norvège, mais attends, mais la E45, c'était pas en Suède tout à l'heure? Yes. D'accord. Cotoneio, au sud, très loin. Avec Alta à 4 bornes, oui. Voilà. Mais heureusement qu'on a eu la E45 en Suède tout à l'heure, sinon j'aurais mis longtemps à la trouver, je crois. La E45 en Norvège. Let's go. Ah bravo, tout le monde l'a eu. Bien joué. Bien joué, bien joué. Wow. Oh, j'ai pas envie. Alors. Ostroma. Ivanovo.
Stroma, Ivanovo. Et ensuite, Stropti. Stroma. Stroma, loin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Ivanovo. Mais Ivanovo, ça me dit un truc. Pourquoi je le vois pas? C'est loin. Allez, Tarila, ouvre tes yeux, ça va bien se passer. Vraiment, ça va bien se passer, je te le jure, mais il faut vraiment ouvrir ses yeux. Hein. Fourmanov. Manov, Fourmanov, Fourmanov. Est-ce qu'il y a 70 bornes là? Je me rends pas compte. Manov. En tout cas, il y a des rails, non? Non? On se déraille? Non, pas du tout. Bien, je ne sais pas, donc on va se mettre par là, mais ça va pas être ça. Non, ça va pas être ça. Oh, fais chier. Ah, Fourmanov. Ah, Ivanovo. Et voilà, je commence à être avec du cul. Bien joué, vous l'avez vu, j'ai pas vu. Dommage. Dur. Alors, l'Albanie, du coup. Terminal. Quoi, il y a un à côté de l'aéroport de Tirana. Tirana Airport. Je suis un peu déçu du point d'avant, je vous avoue. Il y a un rond-point. Non, attends, quoi? L'aéroport, il était quoi? À Mont-Ouest. Panique pas. Vraiment, je vais recoller à l'aéroport ou comment ça se passe? Parking. Oh bah, mon chat! Tchoum! Mon chat qui fait des tchoum. Taxi, rental, coffee, fast food. Ah. C'est quoi ça? Un péage? Mais c'est pas ça. Ah. D'accord. Ah, il est marqué Durres. Ah, je sais pas que Durres c'est une ville. Non, c'est pas marqué. Pas compris. Pas compris. T'inquiète, pour la 70, t'auras pas besoin de voir pour trouver. Let's go. C'est assez subtil, mais des rails passent sur le rond-point, donc pensez des rails qui passent sur un rond-point. Attends, sur ce point ou le point d'avant? Plage, j'imagine que c'est plage. Oui, non mais... C'est très très juste ce que tu dis. Ah mais c'est un terminal marine, c'est un bateau. C'est un putain de bateau. Et je me déteste hein. Non, mais moi quand je vois marqué terminal, je pars forcément du principe que c'est un aéroport en fait. Inquiet. Oh vas-y. Pornout, bah oui. Uculare. Cocorico. Ah non, c'est Torout, c'est pas Tornout, attention. Et donc du coup, c'est pas Turnout. Hein, non, c'est pas ça. C'est 300 quelque chose. Hein. Route, hein, pardon. Je
Pour éclairer. Ok. Là. You. Oh là là, je suis déçue, Ivanovo, je voyais pas. Je commence à fatiguer en vrai. Bravo Arnono pour le 24 834 points. Flamby pour le 23 707. Le brigand 18 481. On commence à fatiguer, comme dit. Ah, le point Norvège. Ah oui, terrible. Est-ce que tu t'es fait prank en mode la E45 de la Suède? Ah, c'est terrible. Terrible. C'est terrible. Ok. C'est cool. Merci beaucoup Thomas hein, pour la map. Merci bien. En vrai les copains, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je commence à faire des erreurs un peu bêtes. Et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. Donc autant s'arrêter maintenant. C'est cool, on a vu pas mal de choses. On a vu que j'étais toujours une grosse bouse aux États-Unis. Non, c'était bien. Bah, je suis pas mécontente. Cette soirée. Je pensais Norvège d'abord, mais je croyais que la E45 s'arrêtait à la frontière. Ah ouais. Les panneaux jaunes comme ça, c'est Norvège. Et t'avais aussi les pointillés sur la route qui étaient spécifiques de la Norvège. Donc... C'est pour ça que j'ai pas eu de doute. Après, c'est vrai que quand j'ai revu E45, je me suis dit, c'est bizarre quand même, mais c'est vrai que normalement, les E traversent les pays, donc fallait pas se laisser impressionner et partir là-dessus, quoi. Je pense qu'on va aller raid quelqu'un. Ceux qui ne veulent pas aller se coucher tout de suite peuvent finir la soirée tranquillou. Y'a personne qui joue à Jogusser ce soir? D'ailleurs, merci beaucoup encore une fois, hein, le brigand, pour ton sub, c'est très gentil. Et Ad, je vais t'appeler Ad pour le Prime, merci beaucoup. Merci, hein, merci tout le monde. On se retrouve demain à 15h. Attendez, j'essaye de trouver quelqu'un à raid. Y'a personne de la ligue qui joue à cette heure-là? Bah merci à vous, merci d'avoir été là, merci d'avoir joué. Je vois personne de la ligue hein, qui stream ici. Allez, on va faire un petit coucou chez Guidé. Guidé qui est en train de jouer aux personnes qui tombent. Voilà. Merci beaucoup encore une fois pour les subs de ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. On se retrouve à 15h pour une découverte d'un jeu demain qui s'appelle Strange Horticulture. Voilà. Et ensuite, bah, y aura la soirée Assassin's Creed, évidemment. Et puis, on fera aussi un peu de Rocket League dimanche. Tournoi Jogusser de Guidé à 15h. Guidé ne sera pas là, donc on hostera ce tournoi avec Gaston. Peut-être Adrilane également. N'hésitez pas à passer sur la chaîne si vous voulez venir jouer avec nous. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Passez un bon début de week-end et à bientôt. Salut !